12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer, non. La famille, quoi. Il arrive qu'on laisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang, et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti. La belle-sœur aussi, femme de mon frère, charmante à ce qu'on dit. Et puis mon frère. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond? Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. Ils fermeraient les yeux sur les erreurs. Ou ils me reprocheraient tout, ne me pardonneraient rien. Ça pleurerait, ça crierait. Comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera? Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. Feel the waves cut through me, hypnotized.